Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue au programme Éveiller les vertus originelles. On va prendre l'instant en silence pour se recentrer. So welcome all of you to the episode. Alors, bienvenue à vous tous. C'est la rencontre 52 sur la créativité. Nous sommes très heureux d'accueillir un auteur senior qui vient du Royaume-Uni, Mike George. Alors, bienvenue. Et je vais d'abord un peu d'introduction. Alors, écoutez, j'ai aussi un poème pour vous présenter. Alors, plusieurs le connaissent parce qu'il a écrit près de 16 livres sur le développement de la conscience du soi, la culture de l'intelligence spirituelle, la libération de la souffrance émotionnelle et la création d'un mode de vie plus éclairé. Alors, c'était la création d'un mode de vie plus éclairé pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, quelques livres, il pourrait y avoir « Être soi-même »,« Ne soyez pas en colère »,« Soyez sage » et « Les sept mythes au sujet de l'amour ». Alors, il est aussi un tuteur en gestion et un coach spirituel. Il a beaucoup d'humour et de perspicacité. Il rassemble les trois volets clés du 21e siècle, qui sont la conscience du soi, l'intelligence émotionnelle et le désapprentissage continu. Alors, il va nous en parler certainement dans la créativité, dans son sujet aujourd'hui. Alors, au cours des 30 dernières années, il a guidé et facilité le développement personnel des dirigeants d'entreprise et de communautés dans plus de 30 pays. Donc, 30 ans et 30 pays. Et voici un petit poème maintenant pour le présenter. Nous avons avec nous aujourd'hui notre cher frère Mike, qui est quelqu'un de suprême. Mike, il est comme Mike, ça veut dire microphone en anglais. Ses discours aident l'enthousiasme de chacun à monter en flèche, comme s'il traversait les hauteurs, bien qu'étant sur un vélo. En l'écoutant, nous obtenons un high spirituel, comme obtenir une augmentation de salaire. On s'élève au-dessus de tous les conflits. La créativité est une telle qualité que cela nous aide à pouvoir nous éloigner du sentiment d'être misérable. Parfois, dans la vie, on se trouve très vulnérable et on se sent comme paralysé et on a un genre de sentiment d'être handicapé. Mais le pouvoir du suprême m'aide à m'activer et c'est comme se déplacer dans la vie avec un moteur double et écouter la version du suprême, comme une parabole. Alors, c'est une description de la créativité. Alors, voici Claudia qui va présenter Mike. Mike. Je suis très contente que tu sois là. Et je me souviens quand tu es venue à Vancouver, je n'ai jamais vendu autant de livres lorsque tu es venue. Et nous en avons même commandé d'autres et c'était jamais assez. Donc, je retiens toujours cette information.
ce moment où tu es venu nous visiter. Nous sommes très contents de te revoir aujourd'hui et beaucoup d'entre nous seront très heureux de te réentendre parler. Alors, je t'offre ce magnifique bouquet. Et surtout celle-là. Tu peux la voir aussi. Celle-là est aussi un chou décoratif. Alors, tu peux la voir en tant que chou, mais tu peux la voir aussi en chou décoratif. J'accepte les fleurs. Et j'espère que tu vas pouvoir les envoyer par avion, dit Mike. Mike a un grand sens de l'humour. Merci beaucoup pour l'introduction, pour tous ces mots gentils, ces mots doux. Je pense que tu manquais de son Ike, mais tu as fait de ton mieux parce que les mots rimaient avec son nom Ike. Je comprends que ça se promène autour du monde. Il y a beaucoup de traducteurs en ce moment et merci pour la traduction. Et si je viens qu'à parler trop rapidement, s'il vous plaît, me le signaler pour ralentir. Parce que parfois, je deviens un peu trop enthousiaste et je parle parfois un peu trop rapidement. Alors, je vais... Le sujet d'aujourd'hui, c'est la créativité. Et cette créativité... C'est un peu comme une valeur, mais c'est plus comme un processus pour moi. C'est de créer le processus. C'est le processus créatif. Mais le mot comme tel nous explique créativité nous indique que c'est actif à cause du symbole du suffixe IT. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que la créativité prend non pas a aussi une origine par les mêmes, mais son origine, c'est dans la conscience. Alors, c'est très difficile de trouver le bon niveau en une heure et demie. C'est difficile d'en parler avec tout le monde, avec toutes les compréhensions et tout ça, mais... J'ai un peu divisé la présentation en deux parties. La première partie, ce sera comme voir comment on regarde ce processus d'un point de vue extérieur, mais bien sûr en se référant toujours au processus ou les différents processus qui nous permettent d'être créatifs, mais de l'intérieur. Et la deuxième partie, c'est l'idée de la création. Et comment nous vont nous créer au niveau de la conscience. Alors, je vous parle à chacun, tout le monde, je parle à la conscience de chacun. Je sais que ça peut être un peu direct, mais j'ai probablement plusieurs personnes qui entendent, mais qui ne saisissent peut-être pas ce que je suis en train de dire. Mais tout et tout le monde est conscience. Donc, je parle de cela continuellement et je suis dans cette conscience. Je parle à la conscience. Alors, quand je demande aux gens ou quand ils me demandent, ce qui est plus fréquemment, quel est le but dans la vie, on ne peut pas aller au-delà que la créativité ou que la création est le but de notre vie. En tout cas, pour moi, peut-être pas pour vous, mais il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de réponses aussi. Mais pour moi, le but de notre vie est de créer notre propre histoire. Bien sûr, on fait partie de l'histoire des autres, mais c'est surtout de créer notre propre histoire. Et plus on la crée, on devient parfois impliqué dans l'histoire des autres. Et à ce moment-là, on se perd dans la grande histoire de la vie. Donc, la créativité a un niveau très profond
Et le but dans la vie, c'est d'être créatif. Mais la plupart des systèmes d'éducation à travers le monde, vous avez peut-être compris, moi je l'ai compris tout d'abord, qu'on ne nous apprend pas à être créatif. En fait, c'est le contraire. On nous apprend à ne pas être créatif en faveur de la fonctionnalité. On entre dans le monde qui supprime notre créativité ou notre habilité à être créatif ou nos instincts créatifs. Et même nos instincts qui sont vivants, nos instincts de vie. Donc, ce sujet qui a beaucoup, beaucoup d'exploration et beaucoup de recherches, c'est un sujet qui vaut la peine d'être le sujet le plus élevé de tous, sur un piédestal, en fait, parce que Dieu est probablement impliqué dans nos vies. Il nous donne encore cette chance d'être créatif et d'être créatif dans notre vie. Oh, il rigole. Alors, je vais partager avec vous quelques idées ou quelques points de vue, de mon point de vue. Alors, il y a autant de questions qu'il y a de réponses et vous devez prendre ça chacun pour vous-même. Donc, vous devez créer votre propre carte parce que cela va vous amener dans les profondeurs de votre conscience et dans l'identité de qui l'on est véritablement. Parce que c'est là que nos impulsions créatives sont. Alors, voici quelques idées d'abord. Et on verra ensuite qu'est-ce que cela apporte à votre esprit. Donc, je vais d'abord partager Alors, je partage mon écran. Alors, on va explorer la créativité. Alors, on explore la Manoj, qui est la créativité. Alors, la conscience par nature, la conscience est créative. Donc, on tend à nous enseigner notre créativité de façon rationnelle. Donc, Alors, je vais d'abord regarder une partie de la créativité, surtout quand on médite. Donc, la rationalité, ça tend vers l'intuition. La rationalité tend va vers une pensée rationnelle, tandis que la créativité, on a besoin de temps parce que c'est plus créé dans le subconscient. Et quand on est distrait par tout ce qui est à l'extérieur, on n'a pas toujours tendance à ce qui est dans notre subconscient. Alors, c'est la première idée, c'est le subconscient, la créativité. Donc, c'est à l'extérieur de notre conscience quotidienne. Donc, le rationnel, c'est la logique, c'est l'analyse. Ce n'est pas que c'est bien ou que c'est mauvais, mais il y a un niveau plus profond qui nous aide. Et c'est ne pas c'est l'idée de ne pas d'analyser, mais de mettre ensemble, c'est de synthétiser des idées ensemble. Donc, en psychologie, dans un contexte psychologique, c'est l'idée du cerveau droit ou du cerveau gauche. Le cerveau gauche est plus rationnel, tandis que le cerveau droit est plus les émotions et les éléments de la conscience, mais un peu plus en profondeur. Mais ils sont vus comme étant des moitiés égales. On va en parler dans un instant. Donc, la partie rationnelle, c'est plus la partie scientifique. Il y a une explication. Il y a quelque chose de visible
On ne pense pas à l'invisible, tandis que là, on voit plus l'invisible ou la conscience un peu plus profonde. C'est le cerveau droit. Donc, c'est en dehors de notre conscience. Donc, quand on voit le rationnel est un bon gérant, quelqu'un qui est capable de bien penser, capable d'équilibrer et donner des explications rationnelles, tandis qu'un leader, c'est plus quelqu'un où le gérant est capable de gérer les éléments un peu plus émotifs, émotionnels, parce qu'ils ont développé cet aspect irrationnel. Donc, je voulais en sorte vous montrer les deux aspects, les deux moitiés de comment la conscience et la créativité consciente opèrent. Mais pour moi, il y a deux énergies. Il y a l'énergie physique, qui est l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et quand ils voient cela, ces deux aspects du cerveau qui s'allument quand il y a des pensées différentes et qu'on étudie le cerveau, il y a de la lumière, le cerveau s'éclaire. Donc, la conscience, c'est pas entre la gauche et la droite, mais c'est plus avec le nord et le sud. Alors, ce qui est dans notre subconscient, c'est qui n'est pas ce à quoi on n'a pas accès de moment en moment. Donc, ceux qui méditent, ceux qui écrivent, ceux qui utilisent leur créativité, ils parlent depuis toujours, c'est plus important d'aller dans le subconscient pour trouver les valeurs qui existent déjà, mais dans le subconscient. Ce n'est pas à propos du cerveau physique, mais plus en lien avec la conscience. Donc, ce sont ces deux consciences. Une est matérielle et l'autre est immatérielle. Une autre façon d'en parler, c'est une métaphore. C'est une métaphore de l'iceberg. Alors, 10 à 15%, on est dans la conscience, on est conscient de ce qui se passe, des pensées que l'on a maintenant, mais il y a 90% qui est en dessous de l'eau, c'est-à-dire la partie du iceberg qui est en dessous de l'eau, donc 90% qui est en lien avec le subconscient. Et la plupart des gens qui donnent des conférences vont dire qu'il y a une influence très profonde sur nos pensées, nos décisions, nos émotions qui sont liées au subconscient. Bien sûr, c'est rare qu'on approfondit ou qu'on fouille assez profondément ce que l'on a dans notre subconscience. On peut voir ce qui influence nos décisions, mais on le voit du point de vue superficiel. Alors, il y a des livres qui sont écrits, il y a des ateliers, il y a beaucoup de gens qui parlent de qu'est-ce qu'on doit changer dans notre subconscient pour que notre conscience a plus de valeur encore ou a une influence encore plus importante sur le subconscient. Donc, les trois contextes, quand on parle du rationnel en lien avec l'intuitif, le premier, c'est quand on a un problème pratique, on va utiliser notre rationnel on va y penser, mais on va d'abord l'analyser et faire face. Donc, et ensuite, arriver à une solution. Donc, on va utiliser 80% pour la plupart, pas tous, 80% de la partie rationnelle et 20% de la partie intuitive. Mais ça va varier pour des problèmes pratiques, tandis que l'artiste, dans son expression artistique, va faire le contraire. Celui qui va créer, qui va utiliser son impulsion créative, va utiliser sa partie rationnelle à 20% et toute son expression artistique sera utilisée à 80%. Donc, tout ce qui paraît sans y penser complètement.
On s'est parfois dit, c'est penser, certains disent penser, c'est douter. Alors, quand on explore cela et qu'on va en amont, on voit une pensée et plus on pense à quelque chose, plus on doute. C'est un peu comme jouer au golf. C'est plus on pense à chacun de nos muscles, la position, et plus on doute de soi. Et l'artiste, avec sa palette et son pinceau, il va faire... Et c'est comme celui qui va avoir une version artistique de jouer au golf va prendre son bâton et va lancer la balle. Et le troisième contexte, c'est nos relations. Et c'est à ce moment-là que ça devient vraiment plus difficile. Parce que les relations, être un leader, c'est difficile. Tout cela, c'est difficile. Certains sont très rationnels dans leur relation avec les autres. Donc, trouver des raisons, trouver des recettes, trouver des façons de faire, mais très rationnellement, des explications très rationnelles, très analytiques. D'autres sont très intuitifs. Ça ne les dérange pas. Ils savent que tout va se régler. Et c'est complètement l'inverse. Donc, c'est pour cela qu'il y a une question. Donc, c'est un mélange des deux pour la vie elle-même. C'est l'ego qui est un saboteur. Il sabote les trois façons de faire. Parce que l'ego va soulever les émotions et ce sont ces émotions qui vont déranger. C'est comme une distorsion de l'énergie de notre conscience. Ce n'est pas sur le corps, mais c'est sur notre conscience. Ce que l'on est en train de penser, ce que l'on est en train de prendre des décisions ou de décider notre perception des choses. Et c'est l'ego qui mène aussitôt que quelque chose apparaît, souvent, l'ego va faire un hold-up sur la conscience. Et souvent, les émotions vont nous empêcher d'être intuitifs ou bien rationnels. Dans les deux cas, les émotions vont saboter les deux aspects. Et bien sûr, la source de toutes les émotions, c'est l'ego. Et quand vous comprenez la mécanique de la conscience, vous allez comprendre que vous allez comprendre, quand vous le savez, vous allez savoir, vous allez comprendre que l'ego, c'est lorsque je m'identifie à ce que je ne suis pas. Et c'est comme ça que l'ego est créé, c'est quand je m'identifie à ce que je ne suis pas, donc aux fausses identités. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un objet, ça peut être une idée. Mais aussitôt que je m'identifie, je suis piégé par l'objet ou par la pensée. Et parfois, ça peut être on peut défier, mais dans un cas comme dans l'autre, on va s'identifier cette croyance que l'on est ce que l'on est. Il y aura, bien sûr, la distorsion ou le dérangement sera appelé des émotions. Certains vont dire, un instant, il y a des émotions positives et négatives. Certains pensent là. On pense qu'il y a des émotions positives et négatives. On va revenir à la fin. On va en parler à la fin, par exemple. Le bonheur, est-ce une émotion? Donc, on continue, dit Mike. Alors, plusieurs disent qu'il y a des façons d'activer notre créativité. On nous a appris à supprimer notre créativité, mais il y a des experts qui ne veulent pas que nous soyons trop créatifs. Ils nous disent, parce qu'à ce moment-là, on peut peut-être découvrir qu'on est aussi intelligent que d'autres. Donc, on préfère supprimer. Alors, les enfants, parfois, certains disent que ce n'est pas très bon d'être créatif parce qu'on veut être évolutionnaire ou différent des autres, mais on veut être la même que les autres. On veut être comme les autres. Donc, notre créativité, elle est présente. Souvent, on sait qu'elle est là,
mais on la supprime parce que c'est ce qu'on nous enseigne. Donc, c'est ce que l'on a vu dans les 10, 20 dernières années. Même ceux qui écrivent des livres comprennent cela et disent à tout le monde, ceux qui écrivent les livres, allez, vous êtes créatifs, éveillez-vous, réveillez-vous. Utilisez vos habiletés et créez votre propre vie à travers votre vie, plutôt que d'être une victime ou d'être un persécuteur ou d'être devenir ceux qui se plaignent. Donc, au lieu, créez votre vie. Donc, il y a plusieurs façons de devenir créatif. Alors, on doit questionner chacune des croyances que l'on a. Et c'est une façon d'éveiller notre créativité, c'est de questionner ce que l'on a appris, ce que l'on dit de nous. On peut être résisté, on peut être opposé, mais il y a aussi la question de curiosité. Donc, si on questionne par notre curiosité, on cherche d'autres points de vue, d'autres façons, d'autres allées, pour d'autres chemins pour comprendre. Si, par exemple, on est né dans un contexte où on ne nous a pas permis de poser des questions, à ce moment-là, on a besoin d'étudier un sujet en particulier. Et plus on étudie un sujet, à ce moment-là, on se rend compte que ce qu'on ne nous a pas enseigné, plusieurs choses. Et à ce moment-là, on découvre des possibilités et on découvre aussi une façon créative de penser. Et si je n'ai pas compris cela, qu'est-ce que je n'ai pas compris de plus? Donc, c'est à ce moment-là qu'on joue. Et c'est comme ça que les enfants apprennent, par exemple. Ils vont jouer. Ils ne sont pas intéressés au passé, ils ne sont pas intéressants au futur. Ils jouent les uns avec les autres. C'est la façon dont les enfants créent leur apprentissage, leur développement. C'est comme cela qu'ils apprennent. Donc, ils jouent. Donc, soyez plus joueurs, jouez plus avec vos idées. Alors, plusieurs essais. Certains choisissent. Alors, on peut le faire à plusieurs, mais on peut le faire individuellement et créer toutes les idées, toutes les possibilités ou les solutions qu'on peut avoir envers une situation et ensuite éliminer. Donc, d'abord, être inclusif de toutes nos idées et ensuite les évaluer. Alors, certains aiment dormir, se poser la question, dormir et ensuite revenir le lendemain matin et ils ont la réponse, ils ont l'intuition le lendemain. Et ça semble être de nulle part, mais ce qui se passe, c'est que vous posez la question, vous l'envoyez dans le subconscient et pendant que vous dormez, le subconscient travaille sur ce problème et quand vous vous éveillez, le subconscient on redevient conscient et à ce moment-là, la réponse est là. Ça peut être ça pour les défis. Moi, j'écris et ensuite je marche. Donc, j'écris des articles. C'est comme ça que Mike George fait. Et mes intuitions viennent souvent quand je suis en train de marcher. Et je ne suis pas en train de porter attention sur quelque chose en particulier. Il y a des moments où je marche et c'est à ce moment-là que je fais des liens dans mon esprit. Parce que je suis au-delà de la distraction et soudainement, ces connexions se font et je vois ce que j'ai besoin de dire, c'est ce que j'ai besoin d'écrire. Donc, faire cela ensemble, écrire et marcher, d'autres façons, c'est parfois de parler avec certaines gens, certaines personnes à qui on a confiance. Parfois, c'est écouter. S'écouter soi-même, s'écouter quelqu'un d'autre en qui on a beaucoup confiance. Et donc, c'est une façon un réel dialogue, c'est parler ensemble avec une autre personne pour trouver une profondeur. Et souvent, quand je parle avec quelqu'un, la plupart du temps, je suis
dans un dialogue, plutôt que d'être dans la conversation, donc la versation de l'un et de l'autre. Donc, avoir la version de un, puis la version de l'autre. Donc, certains essaient de montrer ou de prouver ce qu'ils ont choisi de croire. Donc, parfois, c'est comment est-ce que je peux parler avec une personne pour que l'on puisse chacun de notre côté approfondir ce que nous sommes en train de discuter. Et l'autre aspect, c'est la méditation qui nous montre encore à apprendre un aspect encore plus profond. Et alors, souvent, on est trop occupé et la méditation ralentit nos pensées et cela... Et c'est en lien avec la relaxation, mais de l'esprit, pour avoir encore une fois des pensées encore plus profondes. Donc, c'est une contemplation. Donc, ce n'est pas une contemplation de l'être, mais ce n'est pas une contemplation de soi, mais c'est une contemplation du soi, profonde de l'âme. Alors, ceux qui cherchent, vous cherchez un nouvel emploi, quelque chose qu'on a fait. On a pensé, autrefois on appelait ça la pensée créative. Aujourd'hui, on parle de design ou de modèle, donc de voyer un design. Quand on est en train de faire un dessin, il y a l'idée du dessin graphique. Donc, c'est de communiquer à d'autres à travers des symboles et des signes. Par exemple, alors habituellement, souvent, le marketing ou la commercialisation, ou ça, c'est des façons de faire, la mise en marché. Et ensuite, il y a un autre type de dessin. À ce moment-là, on a des produits. On est dans un monde matériel et on essaie de régler des problèmes, donc on cherche des solutions et le produit ce produit qui est dessiné passe aussi par la créativité. Et le dernier, c'est le service, où on est en train d'interagir avec d'autres, donc on est en train d'interagir avec ceux, les banques par exemple. Ils ont des équipes complètes qui réfléchissent à plusieurs. Donc, ils cherchent des interfaces, des expériences pour faire les choses d'une certaine manière qui va aider les autres à... Ils vont utiliser leur créativité pour le service. Et le dernier, c'est un design, un modèle... qui est une idée de transformation de la société ou de l'organisation. Donc, des modèles organisationnels pour qu'il y ait des changements. Et tout cela se fait par la créativité. Donc, c'est tous liés à des processus créatifs. Le dessin, le produit, le service et encore la culture. Il y a une transformation dans la façon de vivre notre vie. C'est la dernière. Comment on va changer notre façon de vivre notre vie. Ça aussi, c'est une autre conférence des MAC. Donc, ce que nous parlons aujourd'hui, tous les aspects de la vie, il y a de la créativité dans chaque aspect de notre vie. On ne peut pas ne pas être créatif. Tout ce que l'on fait, c'est toujours la créativité. Et le mot central, c'est la pensée. Ce sont les pensées créatives qui vont nous mener quelque part, soit dans le dessin, soit dans le produit, soit dans le service, soit dans la culture. C'est impossible de penser, on peut penser plus lentement, mais c'est impossible de ne pas penser. Donc, allons voir dans ce processus de créativité de l'intérieur vers l'extérieur. Là, le regarder de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire la manifestation extérieure, mais maintenant, explorons-le de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, j'aide les gens à voir qu'ils sont responsables de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils font. Et souvent, c'est
C'est assez facile pour certains, mais pour d'autres, ce ne l'est pas, parce que c'est toujours enseigné par quelqu'un d'autre et qui nous explique comment on est responsable et comment on pense. Et c'est habituellement à travers l'éducation qu'on nous donne qu'on a ce processus de créativité. Donc, j'essaie d'aider les gens à comprendre, c'est de le réaliser par soi-même. C'est un processus qui est très important et ça se passe en une seconde, une demi-seconde, mais je ralentis ce processus pour que les gens réussissent à saisir véritablement. Alors, quand je vis ma vie, je crée ma vie. Alors, le premier élément, c'est les pensées. Bien sûr, personne ne crée nos pensées, donc ça vient complètement de nous et ça vient complètement à l'intérieur de notre conscience. On peut être influencé, mais on choisit ce qui va nous influencer. Et cela va nous mener à nos sentiments, nos émotions, et personne d'autre ne peut créer nos sentiments, nos émotions, et c'est un peu, et on prend la responsabilité par rapport à quelqu'un d'autre. Mais si on ralentit et si on regarde de proche, on verra que c'est toujours nous qui choisissons comment je me sens. Donc, ça donne mon attitude envers les gens, mes comportements dans le moment, mes habitudes. Et je vais faire les comportements régulièrement et cela va créer les habitudes et finalement, j'en arrive à ma personnalité. Alors, c'est le processus créatif à l'intérieur tout le temps. Et finalement, si je regarde ma personnalité, cela donnera ma destinée. C'est ce qui va créer ma destinée. Mon interaction avec le monde entier, avec les gens autour de moi, c'est ce qui va créer ma destinée. Quelque chose qui manque peut être décision que l'on va ajouter. Les décisions que je vais faire, que je vais prendre. Alors, par exemple, par rapport à mon attitude, et qui va ensuite transformer. Mais si je vais un peu plus profondément, et souvent, c'est difficile d'apercevoir cette partie du processus, aller un peu plus profondément et comprendre qu'est-ce qui ébranle mes pensées. Et c'est ma perception. Donc, notre perception, c'est mes croyances. Alors, si je crois que c'est un monde qui est dangereux et noir, donc je vais chercher toujours les choses les plus noires et les pensées seront générées et je sentirai l'anxiété, l'inquiétude, la peur. Et tout cela vient de nos croyances. Au départ, ce sont nos croyances. Croyances, perceptions et ensuite les... Donc, c'est difficile de voir dans un monde qui tourne si vite quelles sont nos croyances derrière ça. Et l'erreur que l'on fait, c'est que l'on s'attache à tout ceci, à nos croyances, à nos perceptions, à nos pensées, à nos émotions, nos sentiments, nos décisions, nos attitudes. Et quand on est attaché à quelque chose, cela nous donne un faux sentiment de sécurité. Donc, on cherche cette sécurité en soi parce que la peur est cachée, se cache derrière la plupart de nos croyances ou que l'on a choisi de garder ou que l'on a créé. Alors, c'est le manque de sécurité et on est attaché. Je fais toujours les choses de cette manière. Je prends toujours mes décisions de cette manière. J'ai toujours pensé comme cela. Donc, il y a un petit moment de sécurité. Mais ce n'est pas très long que les attachements créent les défis par les gens que l'on rencontre, par les situations que l'on rencontre. Et finalement, tous ces attachements sont défiés. Et c'est de là que vient trouver nos émotions. Alors, les trois familles d'émotions sont la paix, la peur, la colère et la tristesse. C'est ce que l'on ressent. Ce sont les émotions que l'on ressent. La peur, la colère et la tristesse. Et ce sont
La peur, c'est quand on... L'inquiétude que l'on a ou l'anxiété que l'on va aller perdre, et cela va... Si on n'est pas attaché à qui que ce soit, on n'a aucune peur de perdre parce qu'on n'a rien à perdre. Et la peur, c'est toujours la peur de perdre. Bien sûr, la tristesse suit. Quand il y a quelque chose qu'on pense avoir perdu quelque chose, on devient triste. Encore une autre conférence en soi. Donc, quand il y a du stress au niveau des émotions et des sentiments, c'est là qu'apparaît le stress. Sinon, c'est la peur, la colère ou la tristesse. Mais le stress, ce sont ces émotions, la peur, la colère et la tristesse. Et cela cause le stress. Et quand on est stressé, on est fermé. On se renferme, ou même on peut être sur la défensive, ou on peut se retirer. On peut même se retirer de ce stress extérieur. Ou même, il y a souvent un conflit avec d'autres personnes. Quand on a peur de perdre quelque chose, on a des conflits parce que l'autre ne nous donnera pas ce que l'on veut. On désire le respect. Et la plupart du temps, on l'a dans notre esprit, mais s'il ne nous donne pas l'esprit, on devient bouleversé et on devient en colère et on est stressé. Donc, c'est une question de résistance. On résiste à ces situations parce qu'on croit et qu'on perçoit à être en train de créer le stress. Donc, on ne comprend pas tout à fait encore que l'on est le créateur de cette croyance. On résiste. Donc, on résiste. Et c'est pour cela qu'il y a le défi pour chacun d'entre nous. Et c'est un défi que je regarde depuis des dizaines d'années. Je ne suis pas encore libre de tout cela. Tout ce qui se passe en moi et comment moi-même je le connais et je le crée, je dois rester encore ouvert et je ne dois pas être défié et être fermé par les autres ou être obligé de me... Je suis encore attachée à dissoudre le rôle que je joue. Pas résoudre, mais dissoudre. Donc, de voir ma contribution au conflit. Donc, je dois dissoudre cette colère et ensuite, je vais pouvoir coopérer avec la personne. Peu importe l'état dans lequel l'autre est, je peux contribuer. Et ensuite, accepter tout le monde et toutes choses comme ils sont, même quand ils disent que je n'ai pas raison ou qu'ils m'insultent, être en mesure de les accepter et surtout ne pas m'exclure de la situation. Mais plus je pratique tout cela, dit Mike, plus c'est de plus en plus facile et je comprends combien je suis plus créatif. Donc, quand je peux me calmer, quand avant j'étais impossible de me calmer, je comprends que mes habiletés d'être ouvert, de voir plus grand, ou mon habileté d'être plus tranquille. Et tout cela, ce sont toutes des capacités d'être plus créatif, c'est d'accepter. Et c'est à un niveau tout à fait, c'est au niveau de l'âme. Donc, c'est tout est en lien avec notre entité et on s'identifie essentiellement à ce que l'on n'a pas. D'abord, la forme, c'est la partie la plus difficile à régler. On est encore en train de penser que tous les systèmes, les éducations nous disent qui l'on est, on le croit aussi. Et donc, tout le monde est un peu à des niveaux différents de conscience.
Mais on parle de la conscience de l'âme. On peut, mais c'est vraiment la conscience, c'est qui l'on est. On peut ajouter l'âme, mais c'est la conscience. C'est comme l'espace intérieur. C'est comme l'espace à l'intérieur. Tout ce qui occupe l'espace extérieur, l'espace est encore là quand les objets sont encore partis. Donc, la conscience est une conscience à l'intérieur. Mais c'est difficile d'être conscient de cet espace parce que c'est comme quand on dit l'œil ne peut pas voir l'œil. Alors, quand on est conscient de qui l'on est, on n'est pas en train d'être conscient de qui on est. Si cela a du bon sens, donc cette conscience, on ne peut pas être conscient qu'on est conscient. Donc, on doit bien comprendre ce qu'est la conscience et pourquoi c'est si difficile et surtout pourquoi c'est aussi un si grand défi d'être conscient de qui l'on est, d'être conscient de l'âme. Donc, quand j'arrive à ce point, je deviens responsable de ma création, que c'est moi l'âme. Avant de faire le travail intérieur, de décider, alors c'est d'abord de soi. Il y a bien sûr, il y a l'éducation, l'assimilation des parents. Mais aussitôt que j'ai pu les amener dans ma conscience, ils deviennent ma création, je les crée. Donc, si j'ai été un peu trompée par mes croyances et que j'ai créé moi-même dans ma conscience et je les reçois, si je les reçois de l'information de l'extérieur et que je crée ma version à moi, même chose dans une relation. Je ne suis pas en relation avec toi, mais je suis en relation avec ma version de ce que je comprends de toi. Donc, aussitôt qu'on comprend ça, on arrête de projeter sur l'autre personne et on prend responsabilité sur notre propre création de notre version de qui ils sont ou de l'objet. Donc, on crée qui ils sont dans notre conscience. Et c'est là qu'ils ont leur origine pour nous. Et on est responsable de cela, de cette création que l'on fait d'eux. Alors, ce qui dilue et diminue les qualités de nos perceptions, de nos pensées et de notre perception, ce sont les croyances que l'on assimile. Autrement dit, on apporte ces croyances et on les recrée et pour qu'elles soient les nôtres. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que l'autre est responsable. Tout ce que l'on fait, c'est que l'on ne pose pas la question. On ne pose pas la question, est-ce vrai? Est-ce que c'est complètement vrai? Est-ce que c'est vrai pour moi? Parfois, c'est plus façon de croire ce que j'ai entendu. Et ce sont mes croyances. C'est une forme consciente, endormie. C'est beaucoup plus facile de croire quelque chose. C'est pour ça qu'on parle de la croissance aveugle. Alors, c'est une croyance endormie. Et quand le travail commence, c'est quand on pose la question, est-ce vrai pour moi? Alors, on a déjà vu les émotions. On crée après ça les émotions en lien avec ces croyances que l'on aura assimilées. Personne d'autre nous affectera. Et ce sera toujours soi-même qui sera lié aux affects. Et la même chose pour les mémoires. On est souvent en lien avec ce qui s'est passé hier, donc la nostalgie. Et on recrée toujours, continuellement dans notre conscience, on revient à ce qu'on a aimé dans notre passé. Et ce que l'on fait, c'est qu'on recrée hier. Donc, je ne suis pas en train d'être présent au moment présent. Quand on recrée des mémoires,
c'est différent à chaque fois. Et à chaque fois qu'on le recrée, c'est un peu différent. Donc, on est très occupé à penser au passé. Et donc, ça nous empêche d'être présent. Et ça devient de plus en plus difficile de créer parce qu'on n'a plus le temps, on est tellement occupé par le passé. Donc, c'est très important d'aller à l'intérieur et de créer le moment. Et c'est le moment où on peut le faire en ce moment. Donc, les pensées, les croyances, si vous travaillez pour une promotion ou vous travaillez pour les autres? C'est une question. Si vous travaillez pour une promotion, pour une position, pour avoir plus, pour avoir une promotion, vous avez la croyance que le succès est défini par la promotion. Et c'est cette idée, cette croyance est là par les autres. Donc, c'est une croyance qui est donnée par l'extérieur. Une autre croyance, c'est qu'on est très argumentatif. Par exemple, tous les sujets, la nationalité. Autrement dit, on a des opinions sur tout. Mais le centre, donc il nous manque. Quelqu'un dit quelque chose, on est... Ah oui, on comprend les Britanniques. Je comprends que je suis britannique parce que je le prends personnellement. Ou est-ce que c'est simplement une étiquette? Si je réagis, c'est parce que je crois à cette idée que je suis britannique. Ça veut dire, à l'intérieur de nous, dans notre subconscient, une fausse croyance de qui on est à ce moment-là. Et c'est très subtil. Alors, si on aspire à avoir beaucoup d'argent pour être confortable dans la vie, et il y a des gens qui sont motivés à avoir beaucoup d'argent parce qu'ils ont la croyance, on a plus à avoir beaucoup d'argent et ensuite je serai très confortable. Donc, je dois avoir beaucoup d'argent pour être très confortable. Mais ce sont des choses qui me rendent confortable. Une autre question. Est-ce que vous avez besoin des autres, de son approbation, de l'approbation des autres? Parce qu'on crée notre croyance dans l'autorité. Avant de se sentir bien, on croit dans ce que l'autre pense de nous. Et on devient dépendant, et même qu'on peut... On pourrait même, c'est naturel d'être attaché, c'est naturel d'être dépendant à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, on résiste, on est fermé à cette idée que ce n'est pas nécessaire d'être dépendant de quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma conscience que j'ai besoin de changer? Et en fait, c'est une belle définition du stress. Habituellement, le stress, c'est une émotion. Mais c'est seulement le messager qui vient me dire que quelque chose a besoin d'être changé. Et ce quelque chose est habituellement dans le subconscient. Je dois changer la croyance qui donne naissance à la souffrance. Et ensuite, on sera libre de cette souffrance. Donc, la vérité, ce n'est pas de l'information, mais ultimement, la vérité est une conscience. Et c'est là qu'on va. Éventuellement, on s'en va vers cette conscience. Donc, par exemple, pour les croyances et les émotions ne sont pas vraies, la paisible, la joie, la paix, la joie, l'amour, le contentement, prendre soin. Parfois, on pense que c'est la vie humaine, le fait d'être humain, c'est naturel pour l'humain d'avoir peur, d'être en colère. Donc, on doit absolument défier
cette croyance si on veut se départir de la peine et de la souffrance et de la souffrance de notre conscience. Pour moi, peut-être pas la même chose pour vous, ces émotions, pour moi, ne sont pas naturelles. Elles ne sont pas naturelles. Elles ne sont pas des aspects naturels de notre vie. Mais plusieurs vont argumenter, et vous trouverez ces arguments souvent dans les médias aujourd'hui. Et on va entendre souvent toute l'information que on va créer notre système de croyance à travers ce que l'on va entendre qui ne sera pas naturel. Finalement, pour la créativité, comment devenir de plus en plus créative? D'abord, je dois vous parler et poser la question, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je exactement? La question d'identité est absolument nécessaire. Quand je ne crois pas que je suis ce qu'on m'a dit, quand je ne crois pas que ce que l'on a dit à mon sujet dans le passé, et que mon identité est la même identité qu'un groupe de personnes. Je dois vraiment réfléchir à la question « qui suis-je? » Et cela permet on a besoin continuellement, certains plus que d'autres, la différence entre les croyances et la vérité. Aussitôt qu'on entend quelque chose et on sait que ce n'est pas vrai, si on réagit à cela, les mensonges ou ce qui est dit sur les médias, ça veut dire que l'on sait ce qui est vrai. Donc, il y a un petit pas que l'on doit prendre, que l'on doit faire, ou bien ils sont en train de me manipuler ou eux-mêmes ne connaissent pas la vérité. Mais si je comprends véritablement ce qu'est la vérité, je suis convaincue de ce qu'est la vérité, j'aurai de la compassion à leur égard. Parce que je l'ai compris par moi-même. Je l'ai vu pour moi-même et par moi-même. Comment on doit devenir, on doit avoir de la compassion. Et quand ça engage les autres, on doit poser la question, quelle est mon intention? Est-ce prendre ou donner? Ou qu'est-ce que je peux recevoir de cette situation? L'intention véritable, donc la croyance, est que les relations sont là pour me donner ce dont j'ai besoin. D'autres, la relation, c'est que j'ai l'occasion de donner ce que je suis. Donc, la vérité spirituelle, si on veut quelque chose, donnez-le. Si vous voulez du respect, donnez du respect. Tout ce que vous voulez, vous le devez le donner et vous le recevrez. Peut-être qu'éventuellement, si vous êtes patient, vous allez le recevoir de l'extérieur vers l'intérieur. Mais si vous donnez ce que vous voulez, vous allez le recevoir de façon, vous allez aller chercher plus profondément en vous. Donc, donnez du respect. Vous êtes empli de respect, c'est ce que vous voulez. Vous devez donc aller le chercher à l'intérieur de vous pour l'offrir. Donc, on doit poser la question, de quoi ai-je encore peur? Parce que si vous avez encore peur, c'est une illusion. C'est parce qu'on s'identifie à ce que l'on n'est pas. Donc, à quoi est-ce que je m'identifie? De quoi ai-je peur de perdre? Si je pense me perdre, donc, on doit regarder, on doit faire face à nos peurs. Ensuite, être en relation avec les autres, c'est poser la question, comment est-ce que je peux contribuer? Que puis-je faire? C'est un engagement, c'est être disponible aux autres. Qu'est-ce que je peux contribuer? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est simplement 5 aspects qui sont liés à notre créativité pour être plus créatif de l'intérieur vers l'extérieur.
Et quand on travaille sur chacun de ces aspects, on devient libre de l'intérieur vers l'extérieur. Et on va avoir une récompense. Et la liberté va nous permettre de faire ce qu'on peut faire de toute façon, c'est d'être créatif. Et c'est ce que tout ce que chacun fait de toute façon. Et finalement, 5 choses à faire pour nous aider à retrouver le soi de la créativité, la méditation et la contemplation. D'abord, la méditation, être dans la conscience, et la contemplation, c'est défaire les croyances. C'est défaire, désapprendre, se libérer de toutes les pensées et les pensées. Certaines peuvent être très bien, mais nos pensées, on est en relation avec quelqu'un et tout ce qu'on avait partagé, c'était bien. Et quand on a contemplé la situation, est-ce quelque chose que je fais ou que j'ai rendu réel pour moi? Et l'application, cela nous amènera dans la réalisation. Donc, la réalisation, on doit les amener, appliquer dans tous les jours, dans notre quotidien, et finalement contribuer. Donc, la méditation, la contemplation, l'application dans notre vie, et finalement, en essence, comment donner, contribuer, offrir à l'autre. Alors, certains, malgré ce qu'ils sont en ce moment, c'est de les permettre de retrouver qu'ils sont fondamentalement, profondément, leur nature tout à fait originelle. Certains sont. Et 5, c'est d'être dans la compagnie qui ont le même type d'intention, c'est-à-dire de retrouver, de grandir, de développer, de laisser aller certaines choses et de grandir. Alors, si on est dans cette intention, quelqu'un avec l'intention similaire, et de créer véritablement notre vie et qui on est. Merci à chacun. Alors, Mike nous dit le petit voyageur qui nous remercie. Manoche, c'est maintenant toi pour les questions. Alors, Mike rigole parce qu'il est très, il met toujours beaucoup d'humour dans ce qu'il présente. Alors, j'ai pris tout plein de notes. C'est toujours très concis et très précis. Le message est toujours précis. Il y a une question qui m'intrigue, mais je voudrais peut-être un peu de clarification. La question est la suivante. À l'école, sont deux aspects physiques, que le cerveau gauche et droit. Alors, le corps calleux. Et tu as dit, c'est plus la conscience et le subconscient. Demande à Mike s'il est plus intuitif ou rationnel. Qu'est-ce que tu peux dire de ton point de vue, Mike? Alors, je vais d'abord revoir cet aspect. Alors, je vais essayer de rigoler pour m'en sortir. Non, c'est la même chose pour tous. On doit expérimenter. Ce c'est toujours deux. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Je ne peux pas dire je suis 60-40 ou 40-60. Dans certaines situations, dans les relations, à des moments dans le temps, quand je suis en train de regarder les autres, quand je suis seule en train de penser, parfois je pense à quelque chose, parfois je vais y penser, d'autres fois je veux laisser aller les choses. Mais normalement, quand vous avez du temps et de la patience, la patience est vraiment la vérité. Et on attend. Parfois, les gens dorment s'ils ont un problème, s'il n'y a pas, on laisse quelque chose
se clarifier avec le temps. Et les choses, habituellement, se résolvent par elles-mêmes si on a du temps. Et si on a le temps, et c'est la vertu de la passion dans l'action. Et donc, si je suis toujours pressée, et si j'ai ce sens-car dans ma personnalité d'être toujours pressée par les choses, c'est très difficile de prendre le temps. Et moi-même, j'ai pensé avec le temps, quand les choses seront prêtes, les choses, et quand ce sera le bon moment, la chose se dénouera. Si je regarde par la fenêtre assez longuement, mais je ne peux pas être plus précis que cela, en fait. Très bien. Donc, c'est selon la situation. Tu as parlé aussi beaucoup des émotions, des sentiments. Quelle est la différence entre les deux? C'est toujours quelque chose de différent. C'est différent en traduction aussi. Alors, je vais faire de mon mieux. Donc, vous avez des émotions et on les sent. Les émotions peuvent devenir des sentiments. Et pour la plupart, c'est la même chose, mais ce sont d'autres sentiments. Donc, l'amour et la haine, la joie et la colère, ils viennent tous mêlés ensemble. Et on les appelle, on dit, ah, finalement, ce sont peut-être des émotions. Ou des fois, on dit positive ou négative, mais pour moi, et c'est pour moi. Et c'est à mon point de vue, à moi, en ce moment, dit Mike, ce que l'on sent, les sentiments que l'on sent, ce sont les sentiments naturels de l'âme, de la conscience, qui est l'amour, le bonheur. Je vais sentir cela quand je les donne, quand je les partage avec d'autres. Je vais les sentir. Je vais sentir la patience quand je la donne. Je sens la paix quand je donne la paix. Le langage n'est pas suffisant quand on vient pour le décrire, mais être aimé, parce que quand on se sent aimé ou quand on est aimant, on est cette âme. C'est l'inculcation, c'est l'incarnation. Et donc, à ce moment-là, on le ressent et l'amour n'est pas à ce moment-là une émotion, parce que quand on est émotif, il y a quelque chose, il y a une distorsion dans ma conscience. Donc, l'amour, ce n'est pas quelque chose qui nous distrait. C'est la dernière chose que l'on pense, c'est qu'il y a une distorsion dans l'amour. Donc, quand on est aimant, on est aimant et on est cette vibration et ce n'est pas émotif. Donc, quand on est nos sentiments, on n'est pas émotif. On ne dit pas que le bonheur est une émotion. C'est naturel, c'est la nature, c'est d'être, les affects nous affectent. Donc, les émotions, ce sont les affects. Donc, tout soudainement, ils deviennent fâchés ou en colère et ils ne font rien, ils deviennent négligents ou paresseux. Donc, ils prennent le somnifère et ils disent, ah, c'est très bien et c'est vraiment moi. Ils ne font rien. Ce n'est pas naturel d'être en colère. Il y a une raison pour laquelle il y a cette distorsion. Donc, c'est notre conscience qui vibre d'une façon tordue avec distorsion. Ce n'est pas que c'est bon ou mauvais. Si je dis je ne dois pas être en colère et je le supprime, que j'essaye de résister et que je ne dois pas être en fâché, je vais dans la résistance, c'est pire. Ce n'est pas bon ou mauvais, c'est pas naturel à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, comment se fait-il? Pourquoi est-ce que je deviens tordu ou pourquoi cette distorsion dans mon énergie? Qu'est-ce que je tiens et à quoi suis-je attaché à ce moment? Donc, c'est essayer de lier tous ces points. Donc, les mots que j'utilise ne sont peut-être pas appropriés pour expliquer tout ce qui se passe. Mais vous devez absolument trouver votre façon de voir l'image quand vous connectez les points. Donc, l'émotion, c'est quelque chose qui
qui n'est pas naturel et qui dérange ma conscience. Et cela dérange notre conscience. Albert Einstein a dit quelque chose, peut-être clarifié. Créer, c'est voir ce que les autres voient et ce que les autres n'ont jamais pensé. Ah, ça peut être... Il rigole encore. Aussitôt qu'il y a une question, sa première réaction, c'est la rigolade. D'abord, penser. Ce n'est pas possible d'avoir la même pensée que quelqu'un d'autre. C'est impossible d'avoir la même pensée que quelqu'un d'autre. Chacun est unique. Chaque vibration de toutes les consciences sont différentes. C'est peut-être même subtil, mais c'est encore différent. Ils mélangent leurs couleurs, mais c'est une couleur différente. Et à l'autre extrême, pourquoi est-ce que deux personnes qui sont si différentes s'entendent? Mais peu importe ce que Einstein dit, c'est impossible d'avoir la même pensée que quelqu'un d'autre. Alors, deux autres questions, je vais les prendre ensemble parce qu'on manque de temps. Comment je peux prendre soin de mon système de croyance avec mes méditations? Est-ce que je peux changer mes croyances par la méditation? Alors, il rigole encore. Donc, il y a plusieurs façons de répondre à cette question, à ces deux questions, en fait. Mais la façon la plus évidente, ces deux mots, c'est se comprendre soi-même. Se comprendre soi-même. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre conscience? Autrement dit, qu'est-ce qui, dans votre conscience, pas à l'extérieur, dans votre conscience, qui génère cette émotion? D'où vient cette émotion à l'intérieur de vous? D'où vient-elle, cette émotion? Cela veut dire qu'on doit le regarder à l'intérieur de soi pour un instant. Donc, intérioriser, comprendre les processus que je viens de comprendre pour soi. Et ensuite, on va commencer à voir d'où vient cette souffrance, ce mécontentement, cette distorsion ou cette détresse. Et quand on regarde à l'intérieur, que l'on prenne la méditation ou la contemplation ou lire la sagesse des autres, on regarde soi-même, on comprend, on découvre les croyances que l'on a, les croyances que l'on a assimilées des autres, et on commence à les voir. Et on commence à se dire, mais c'est pas vrai. Je vais prendre un instant avec cette pensée, cette croyance, et je me dis, non, ce n'est pas vrai. Ou si j'entends quelqu'un et qu'il a... J'ai des croyances semblables, mais ils ont défié et ils ont exprimé une croyance encore plus profonde. Mais je me dis, qu'est-ce que je peux comprendre de tout ça? Et c'est cette façon que l'on doit défier nos propres croyances. Et graduellement, celles qui ne sont pas vraies, elles vont s'effacer. Elles vont tomber, elles vont s'effacer, elles vont disparaître. Par exemple, le système monétaire. On ne nous explique pas l'argent. Personne dans notre... Comment fonctionne l'argent? Et c'est la raison. Et la raison pour laquelle on ne nous enseigne pas cela, je dois faire attention parce que je ne veux pas déranger les gens. Mais la façon dont l'argent travaille, c'est pour garder certaines personnes dans le pouvoir, pour ceux qui ont le pouvoir, pour les garder en place, dans une situation de pouvoir. Et on comprend qu'on a un peu d'ignorance par rapport à comment fonctionne l'argent et éventuellement, on comprend ce système de croyance qui n'est pas vrai parce qu'on ne nous enseigne pas comment cela fonctionne. Les banques, par exemple, les banques peuvent faire de l'argent à partir de n'importe quoi. Personne ne nous enseigne. Mais c'est la seule façon de prospérer. Et soudainement,
je crois à cela et je vis de cette croyance. Donc, je dois défier cette croyance, ça veut dire comprendre, comprendre mieux le système parce que j'ai peut-être été un peu négligent, paresseux de le comprendre. Donc, je ne le regarde pas. Maintenant, je vais le regarder et quand je le regarde, parce que je comprends les dettes, ce n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Donc, je change ma croyance. Et ensuite, je change tout ce qui suit ma perception, mes comportements, ma personnalité et mon destin. Donc, peu importe la croyance que l'on porte en soi, on peut la changer, mais on doit être intéressé à faire le travail intérieur qui est de voir clairement quelles sont nos croyances. Donc, on doit trouver notre travail. On doit comprendre qu'on a un travail intérieur à faire et qu'on doit le faire, dit Manoj. C'est une question, un ingénieur qui pose la question. On nous enseigne d'être très logique et de mémoriser. C'est le système qui veut cela, mais de même manière, si je veux créer quelque chose, si un médecin, si je veux créer et travailler sur un diagnostic, je dois avoir aussi un esprit créatif. Comment est-ce que je peux créer? Il rigole encore. Alors, est-ce que je peux faire un équilibre? C'est une question, mais peu importe la question, dit Mike. Et la question est toujours simple. C'est que vous êtes tous les deux, tout le temps. Vous êtes toujours rationnel et vous êtes toujours intuitif. Vous êtes toujours en train de créer. Les deux, c'est créatif. Mais habituellement, quand on est rationnel, il y a un délai et on doit performer quelque chose selon notre travail, selon notre tâche, selon la description de notre tâche. Mais si on est à la maison, on crée notre repas. Ou si on pense, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Pourquoi je l'ai fait aujourd'hui? J'aurais pu faire ceci, cela, mais j'aurais pu trouver une autre façon de faire. On ne peut pas ne pas faire cela, réfléchir. Donc, tout le monde est en train de réfléchir à un niveau profond, à un moment ou un autre dans leur vie. C'est-à-dire, parfois, c'est l'idée d'augmenter donc la valeur et se donner le temps et l'espace pour réfléchir sur ce qu'on a fait de façon très rationnelle parce qu'on a été entraîné de cette manière, parce qu'on nous a montré comment utiliser cet aspect-là. Mais la deuxième réponse, c'est que vous avez été éduqué d'une certaine manière. Le scientifique a été éduqué d'être concis, d'être précis et de travailler uniquement avec ce que vous voyez. Mais si vous êtes conscient de cela, et c'est là que votre conscience est là, et que vous regardez à l'extérieur et voit, il contemple et pourquoi il se sent bien, pourquoi il se sent comme ça. Peut-être que moi aussi, j'ai cette idée. Et je pense qu'ils sont plus sages que je suis grâce à cela. Donc, tout d'un coup, on s'arrête, on est scientifique, mais on s'arrête et on pense, mais je suis un ingénieur, je suis à un niveau, mais c'est juste une description de qui je suis un être humain, j'ai une conscience profonde. Est-ce que je suis en train de l'explorer? Non, peut-être que j'ai besoin de garder mon travail comme ingénieur. Mais peut-être que je peux apprendre à méditer parce qu'il y a des gens qui le font déjà. Et peut-être que je peux ouvrir cette partie de qui je suis. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est très, très personnel. On n'a pas besoin de s'identifier à la conscience du corps, mais bien s'identifier à la conscience de qui on est, véritablement. Donc, la conscience, c'est la conscience de l'âme, c'est la conscience. Donc, on a Dr. Ashok Mehta qui est là, qui va
nous vous remercier et ensuite on va faire une méditation. Ça va, Mike? OK, d'accord. Alors, voici Dr. Ashok Mehta. J'aime la créativité de Mike, mais je ne veux pas aller dans la profondeur de sa créativité parce que je suis trop simple pour... J'aime beaucoup t'entendre parce que c'est tard un peu pour moi en Inde. Si je peux t'écouter le matin, ça va être plus pour moi. Je suis un simple chirurgien. C'est comme comprendre le génome et la génétique, la complexité. Comprendre la base complexe de tout ce que tu nous enseignes. Je pense que Manoj s'est aventuré, mais je suis certain que les livres de Mike, j'aime beaucoup. Je ne comprends pas comment tu arrives à créer tous ces livres. Donc, le Dr. Ashok Mehta dit qu'il y a une grande complexité dans la créativité de Mike. Donc, la dernière fois, j'ai lu un de tes livres, dit Dr. Mehta. C'était Nirverbal. Et ça fait quelques années déjà. J'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup tes livres. Mais parfois, c'est la compréhension pour moi. Et tu es une personne très intelligente. Et tout ce que tu nous dis, c'est bien. Souvent, c'est plus facile à dire qu'à comprendre, dit Dr. Mehta. Je pense que je vais étudier et écouter plusieurs fois ta présentation pour que je puisse comprendre ce que tu m'as dit. Merci beaucoup. Ça, Ashok, j'aime beaucoup. Je ne te crois pas, Ashok, qu'est-ce que tu as entendu? Ça fait 20 ans que je le connais et tu... Aujourd'hui, avec ta barbe, tu es trop mature, il lui dit ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Quand je t'ai rencontré, dit Dr. Mehta, et j'apprécie ce que tu me dis. J'espère que nous allons nous rencontrer et j'espère qu'on pourra avoir une rencontre toute simple. Oui. J'aime bien discuter. J'espère qu'on va pouvoir se rencontrer pour discuter. Si on peut se rencontrer. Je pense que tu comprends plus que ce que tu dis Mike, à Dr. Mehta. Au revoir. Merci et merci. Avant de faire la méditation, Dr. Anu, va nous parler pour l'avenir. Merci, Mike. Je pense qu'on va tous avoir besoin de réécouter, mais c'est très puissant ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Et avant d'aller dans ta méditation, je vais d'abord vous raconter ce que l'on va voir dans les prochains. Donc, il va y avoir le 19, donc dans une semaine, le 19, sur la créativité. Il y aura la première heure, ce sera Sister Judy de Calgary qui va venir parler aussi de créativité et de méditation pendant la première heure, le 19 novembre. Et on va l'entendre parler. Et la deuxième heure, ce sera des exercices expérientiels sur la créativité. Et on va réviser ce que l'on a discuté aujourd'hui pour aller un peu plus en profondeur. L'habileté de pouvoir faire ces exercices expérientiels. Donc, ça aura lieu le 19 novembre. Et dans l'Est, pour nous, ce sera 9h30 et Pacifique, 6h30 le matin. Et donc, ici, dans l'Est, ce sera 9h30.
Et là, dans 15 jours, ce sera Souda Didi qui vient de la Russie. Il parlera de la résilience. She's the general director of Brahmakumaris. Elle est le directeur général de Moscou, en Russie. Et cela aura lieu le 26 et aujourd'hui, c'est-à-dire cela aura lieu à 10 heures le 26. Donc, vous avez la liste, les adresses courriel ici, si vous avez besoin de quelque chose, si vous voulez recevoir les vidéos, ou c'est sur l'adresse YouTube, mais vous pouvez aussi écrire à Vyasa ou à Vancouver pour recevoir les PowerPoints. Donc, on prend une photo. Est-ce qu'on peut prendre une photo avec toi, Monique? Oh, sur le Zoom, on prend une photo avec toi. Malheureusement, je ne peux rien ouvrir. Je suis comme... Si on veut être dans la photo, je ne peux pas être dans... Je ne peux pas m'enlever de la photo. Je suis désolée. Alors, merci. Ok, we can take one more. Are you going to give us a creative pose? Oh, no, I don't. I'll take this now. It's very simple. You just have to see the gallery view and you can see all of them. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Alors, merci. So, il prend la photo. I got a few nice snacks I'm going to put together and share later. Thank you. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant faire la méditation. On va finir par une méditation. And if you don't want to watch the image on the screen, because we tend to spend our life in front of screens these days. On regarde beaucoup la télé ces jours-ci. Donc, si vous voulez regarder ailleurs, donc déposez votre regard devant vous sur autre chose. C'est une méditation très simple. Et c'est dédié à Dr. Ashok Mehta. C'est la réalisation d'abord du corps. Je suis conscient. Alors, je vérifie dans le corps s'il y a de la tension. Et ensuite, je concentre ma conscience sur la respiration. Et j'inspire et j'expire. Je ne force rien. Je vois le cycle complet de ma respiration. Et ensuite, je me concentre sur le point de lumière au centre du front et je crée une pensée. Je suis l'être de lumière. Je suis cet être. Voilà, je suis l'être de lumière et je laisse cette pensée traverser l'esprit. Voilà, je suis l'être de lumière. Et ensuite, on laisse aller cette pensée et cette pensée se dissout tout doucement. Et c'est l'espace qui demeure. Il y a un sentiment de cette conscience en soi. De calme.
de la quiétude et de la tranquillité. Et quand cette émotion ou ce sentiment nous quitte de paix, de tranquillité, et l'esprit devient plus silencieux, tranquille. Il y a cette tranquillité tout au cœur de notre être. And still. Je suis complètement tranquille et silencieux. Voilà, je suis silence et tranquillité. And bring your awareness back. Et ensuite, je retrouve la conscience de cette pièce dans laquelle je suis, de ce moment présent. Mais j'apporte avec moi cette tranquillité de l'intérieur. Si, quand j'écoute par les oreilles, j'entends encore cette tranquillité de l'intérieur. Quand je regarde par ses yeux, je vois cette tranquillité. Merci. Thank you so much once again for your brilliant talk, meditation as well. Thanks. Thank you. Take care. We just love it. Thank you.